petits-enfants de la patrie avec le peuple. La contre-enquête sur les attentats de Paris n'aura de cesse de continuer avec des éléments nouveaux, voire accablants. Nous allons revenir sur l'épisode Brahim Abdeslam et de sa supposée auto-kamikazisation, qui n'en était pas une, si on se réfère à l'épisode précédent. Et 21h40, les trois terroristes de la Seat Leon sont partis de Bobigny depuis maintenant une heure. La voiture dépose un de ses passagers devant le café, le comptoir Voltaire. Elle redémarre ensuite vers l'est de Paris. Dans le café, les clients remarquent à peine l'homme qui vient d'entrer. Le kamikaze baisse le regard et actionne sa ceinture d'explosifs. Il meurt dans l'explosion, des clients sont blessés, mais aucun n'est tué. Grâce à ses empreintes, les enquêteurs de la police scientifique découvrent son identité. Il s'appelle Brahim Abdeslam. Nous savons maintenant que Brahim Abdeslam ne s'est jamais fait exploser lui-même, mais plutôt à distance, par quelqu'un d'autre, car il ne savait pas qu'il allait se faire baiser en beauté. Comme une lettre à la poste, Brahim Abdeslam devient un kamikaze à titre posthume, et personne, ni de près, ni de loin, ne pourra contredire ça. Cependant, une info de dernière minute n'avait pas été insérée dans l'épisode précédent, donc, nous allons la remettre en évidence. Dimanche 1er mai, il fut exposé une manipulation sur les images de vidéosurveillance relative à l'attentat suicide commis au comptoir Voltaire le 13 novembre. En remontant les anciennes publications, concernant les dernières prises de vue de Brahim Abdeslam, on trouve une publication antérieure de M6, le 8 janvier dernier, via le média 1945, et on découvre l'anomalie en question. L'heure ne correspond pas du tout à celle de l'extrait de zone interdite, toujours issu de la chaîne de M6. En résumé, une heure de décalage, purement et simplement. Bien entendu, la question qui tue se manifeste inéluctablement. Sachant que les attaques ont été situées dans la tranche horaire des 21h environ, où se trouve l'enculerie, ou plutôt, laquelle de ces deux vidéos a été manipulée. Si on prend le fait que la fameuse vidéo, curieusement cryptée du Casa Nostra, prit pour cible lui aussi, on remarque la même tranche horaire, telle que 22h34, alors que cette attaque avait commencé à 21h32 précise, certains vont dire que cette vidéo aurait été doublement manipulée elle aussi. Il faut savoir plusieurs choses. Un arrêté du 3 août 2007 fixe les normes techniques de vidéoprotection et un tatouage numérique doit désormais incruster la date, l'heure et le lieu pour tout enregistrement. En deux mots, ces données sont inaltérables. En ce qui concerne ces timings de 22h, il faut se rappeler que le 25 octobre 2015, ce fut le passage à l'heure d'hiver. On avait remis les montres à l'heure. Mais quand même, certains pourront se poser des questions concernant le temps écoulé pour reculer d'une heure, soit 19 jours après ce passage, alors qu'on est en plein centre de Paris. Mais admettons. Donc, vous l'aurez sans doute deviné, ce sont les images du 24 avril qui sont l'imposture redoutée. Alors, comment un fichier vidéo, censé être inaltérable, a-t-il pu être corrompu ainsi? Qui est l'auteur de cette saloperie? Peu importe, cette bande vidéo est déjà une enculerie. Point à la ligne. Rajoutons un détail probant concernant le floutage, et non partiel, des visages de ceux qui étaient dans le bar le 8 janvier. Contrairement à la vidéo du 24 avril. Et il faut quand même rappeler les contradictions des faits lorsque Brahim Abdeslam rentre directement dans le bar après avoir été déposé, alors qu'en réalité, il était assis à la terrasse comme s'il voulait passer une commande.
À 21h40, Brahim Abdeslam, seul, s'assied calmement à la terrasse du Café Voltaire et se fait exploser. Mais rassurez-vous, il y a d'autres surprises. Depuis les attentats de vendredi, le quartier du comptoir Voltaire se recueille et un de ses habitants enquête. Hervé De Guine, ancien journaliste, a collé sur les vitres du bar attaqué un appel à témoins. Une dizaine de riverains l'ont contacté et grâce à ses témoignages, il a reconstitué le fil de la soirée. Vers 21h39, un homme est entré dans le café et a pénétré dans la terrasse et au moment où la serveuse s'est approchée de lui pour lui demander s'il souhaitait prendre un verre ou dîner, il a ouvert son blouson et il s'est fait sauter. De nombreux commentateurs, s'exprimant sur les réseaux sociaux à propos de ces images diffusées par M6, se sont interrogés sur l'incongruité de la scène. Un mec, présenté par les autorités comme un membre du redoutable commando des terrasses, rentre dans ce putain de bar, porte sa main gauche au visage et disparaît soudainement de l'écran après l'apparition d'une fumée blanche et de deux éclairs dans son dos. Cela va de soi? Il est évident qu'on a altéré l'image. Au vu de cette anomalie aussi visible, c'est devenu tellement comique qu'on repense à ce pauvre Brahim qui risque de se faire sodomiser encore plus qu'avant. Mais redevenons sérieux. On va se repasser tout de même ce must pour rentrer dans le vif du sujet. Maintenant, nous allons repasser aux fameux témoins dont certains connaissent déjà, et surtout, la supercherie de la bande sonore en question. Je remarque tout simplement, moi, que sur le côté, il y avait une ouverture énorme, une grosse ouverture sur le côté. Mais encore une fois, là, je ne pense pas du tout que ça soit un kamikaze. Pour moi, c'est un des clients comme les autres qui a pris ce souffle de gaz. Le type qui masse avec moi, il me dit « Il faut peut-être qu'on enlève le t-shirt, c'est mieux. » Je lui dis « Oui, t'as raison. » Et là, je déchire le t-shirt. Et en déchirant le t-shirt, moi, c'est moi qui l'ai déchiré, ce t-shirt, et j'ai vu des fils. Et là, par terre, il y a du sang, et je vois les premiers boulons par terre. Et là, j'ai tout de suite compris. J'ai dit « Mais c'est une explosion, c'est un kamikaze. » J'ai pratiqué un massage cardiaque en le mettant par terre, et c'est en continuant ce massage cardiaque avec l'aide d'un autre type qui est venu m'aider, que je me suis rendu compte que c'était pas l'explosion de gaz, mais que c'était un kamikaze, puisque j'avais découvert, en déchirant son t-shirt, qui portait des fils. Et je découvre également par terre, après avoir découvert les fils que kamikaze portait sur lui, des boulons. Nous allons ainsi appuyer 30 fois de suite en compressant de 5 à 6 cm à un rythme de 100 à 120 par minute. Maintenant, immédiatement, réalisez le massage cardiaque externe. Sans attendre l'arrivée des secours, vous appuyez au milieu de la poitrine en cadence. Ce geste va faire recirculer le sang. Vous créez une circulation qui va permettre de gagner de précieuses minutes. Sachant bien que la journapute a été dénoncée comme une falsificatrice de première avec une cinquantaine de bidouillages à la clé, via le média Reuters, à l'origine même de la fausse fête joyeuse des Gazaouis lors des attentats du 11 septembre 2001, et sachant bien que ce bruit très distinctif incite à estimer deux points très dérangeants qui fait que,
Soit il s'agit d'une falsification venant de cette même journée-là, soit une machination pure et simple. Bref, aucune autre alternative possible, et à bon entendeur. Paru le 14 mars dernier, une enquête journalistique est entièrement consacrée aux événements survenus au comptoir Voltaire. Ex-secrétaire général de Reporters sans frontières et résident du quartier, son auteur, Hervé Desguines, pas très renseigné, comme vous l'avez bien pu constater, avait recueilli plusieurs témoignages inédits. Le plus rigolo, en parallèle, l'Express, torchon détenu par le milliardaire israélien, Patrick Drahi, avait choisi d'en publier quelques extraits, en écartant bien sûr ceux qui ne valident pas le récit officiel, faisant état d'un islamiste kamikaze dont le gilet explosif aurait été défectueux. C'est très commode de dire ça, non ? Ce qui est sûr, c'est que ce canard a mentionné le témoignage du fameux David Murat, l'infirmier que nous connaissons bien. David Murat a depuis accepté de rapporter, une nouvelle fois, ce qu'il affirme avoir vu dans un film documentaire, en cours de montage, qui s'intitule Vendredi 13. Pourtant, il faut se rendre, par exemple, à la page 39 de l'ouvrage de Hervé Desguines, pour découvrir ainsi un témoignage stupéfiant et qui pose problème. Selon un dénommé Jason C., infirmier à l'hôpital Salpêtrière, qui fut présent dans le bar, Brahim Abdeslam, qui était en train de crever sous ses yeux, n'avait étrangement aucune blessure. Il ne portait aucun fil relié à un quelconque dispositif explosif. Comme vous pouvez le constater, ces propos contredisent radicalement le seul témoignage à visage découvert de David Murat, faisant état d'un kamikaze, le dos sanguinolent et enserré dans des fils suspects. Cet infirmier logisticien, dont l'une des spécialités, selon Hervé Desguines, et d'ailleurs la médecine de catastrophe, aurait lui-même contacté le média Reuters pour relater son expérience, de même, curieuse similitude, qu'un certain médium, l'auteur de la vidéo amateur, avait pris également contact avec l'agence britanno-canadienne. Mais comme on sait bien à présent que l'extrait du reportage est une supercherie sur toutes ses formes, ça pue véritablement l'embrouille. Une chose est certaine, les témoignages de David Murat et Jason C. sont totalement irréconciliables. Alors, lequel des deux serait de bonne foi, contrairement à l'autre? Le plus accablant est que l'infirmier Jason avait précisé à Hervé Desguines qu'il avait transmis son numéro de téléphone à la police afin de pouvoir donner son témoignage précieux. Celle-ci ne l'a jamais rappelé. Il avait dû lui-même insister pour être enfin entendu au 36 quai des Orfèvres. Conclusion, on garde les témoignages qui vont dans le sens de la version officielle, point barre. Pour la simple raison de l'état d'urgence, le contrôle des médias par le gouvernement, etc. Affaire à suivre. D'autres déclarations suivront. À très bientôt. Anciennes publications concernant les dernières prises de vue de Brahim Abdeslam, on trouve une publication antérieure de M6, le 8 janvier dernier, via le Média 1945, et on découvre l'anomalie en question. L'heure ne correspond pas du tout à celle de l'extrait de Zone Interdite, toujours issu de la chaîne de M6. En résumé, une heure de décalage, purement et simplement. Bien entendu. La question qui tue se manifeste inéluctablement. Sachant que les attaques ont été situées dans la tranche horaire des 21h environ, où se trouve l'enculerie, ou plutôt, laquelle de ces deux vidéos a été manipulée. Si on prend le fait que la fameuse vidéo, curieusement cryptée du Casa Nostra, prit pour cible lui aussi, on remarque la même tranche horaire, telle que 22h34,
Alors que cette attaque avait commencé à 21h32 précise, certains vont dire que cette vidéo aurait été doublement manipulée elle aussi. Il faut savoir plusieurs choses. Un arrêté du 3 août 2007 fixe les normes techniques de vidéoprotection et un tatouage numérique doit désormais incruster la date, l'heure et le lieu pour tout enregistrement. En deux mots, ces données sont inaltérables. En ce qui concerne ces timings de 22h, il faut se rappeler que le 25 octobre 2015, ce fut le passage à l'heure d'hiver. On avait remis les montres à l'heure. Mais quand même, certains pourront se poser des questions concernant le temps écoulé pour reculer d'une heure, soit 19 jours après ce passage, alors qu'on est en plein centre de Paris. Mais admettons. Donc, vous l'aurez sans doute deviné, ce sont les images du 24 avril qui sont l'imposture redoutée. Alors, comment un fichier vidéo, censé être inaltérable, a-t-il pu être corrompu ainsi? Qui est l'auteur de cette saloperie? Peu importe, cette bande vidéo est déjà une enculerie. Point à la ligne. Rajoutons un détail probant concernant le floutage, et non partiel, des visages de ceux qui étaient dans le bar le 8 janvier, contrairement à la vidéo du 24 avril. Et il faut quand même rappeler les contradictions des faits lorsque Brahim Abdeslam rentre directement dans le bar après avoir été déposé, alors qu'en réalité, il était assis à la terrasse comme s'il voulait passer une commande. À 21h40, Brahim Abdeslam, seul, s'assied calmement à la terrasse du Café Voltaire et se fait exploser. Mais rassurez-vous, il y a d'autres surprises. Depuis les attentats de vendredi, le quartier du comptoir Voltaire se recueille. Les petits-enfants de la patrie avaient le peuple. La contre-enquête sur les attentats de Paris n'aura de cesse de continuer avec des éléments nouveaux, voire accablants. Nous allons revenir sur l'épisode Brahim Abdeslam et de sa supposée auto-kamikazisation, qui n'en était pas une, si on se réfère à l'épisode précédent. Et 21h40, les trois terroristes de la Seat Leon sont partis de Bobigny depuis maintenant une heure. La voiture dépose un de ses passagers devant le café, le comptoir Voltaire. Elle redémarre ensuite vers l'est de Paris. Dans le café, les clients remarquent à peine l'homme qui vient d'entrer. Le kamikaze baisse le regard et actionne sa ceinture d'explosifs. Il meurt dans l'explosion, des clients sont blessés, mais aucun n'est tué. Grâce à ses empreintes, les enquêteurs de la police scientifique découvrent son identité. Il s'appelle Brahim Abdeslam. Nous savons maintenant que Brahim Abdeslam ne s'est jamais fait exploser lui-même, mais plutôt à distance, par quelqu'un d'autre, car il ne savait pas qu'il allait se faire baiser en beauté. Comme une lettre à la poste, Brahim Abdeslam devient un kamikaze à titre posthume, et personne, ni de près, ni de loin, ne pourra contredire ça. Cependant, une info de dernière minute n'avait pas été insérée dans l'épisode précédent, donc, nous allons la remettre en évidence. Dimanche 1er mai, il fut exposé une manipulation sur les images de vidéosurveillance relative à l'attentat suicide commis au comptoir Voltaire le 13 novembre. En remontant les anciennes publications, concernant les dernières prises de vue de Brahim Abdeslam, on trouve une publication antérieure de M6, le 8 janvier dernier, via le média 19:45, et on découvre l'anomalie en question. L'heure ne correspond pas du tout à celle de l'extrait de zone interdite, toujours issu de la chaîne de M6. En résumé, une heure de décalage, purement et simplement. Bien entendu, la question qui tue se manifeste inéluctablement. Sachant que les appuis
lors des attentats du 11 septembre 2001, et sachant bien que ce bruit très distinctif incite à estimer deux points très dérangeants, qui fait que, soit il s'agit d'une falsification venant de cette même journée-là, soit une machination pure et simple, bref, aucune autre alternative possible, et à bon entendeur. Paru le 14 mars dernier, une enquête journalistique est entièrement consacrée aux événements survenus au comptoir Voltaire. Ex-secrétaire général de Reporters sans frontières et résident du quartier, son auteur, Hervé Deguine, pas très renseigné, comme vous l'avez bien pu constater, avait recueilli plusieurs témoignages inédits. Le plus rigolo, en parallèle, l'Express, torchon détenu par le milliardaire israélien, Patrick Drahi, avait choisi d'en publier quelques extraits, en écartant bien sûr ceux qui ne valident pas le récit officiel, faisant état d'un islamiste kamikaze dont le gilet explosif aurait été défectueux. C'est très commode de dire ça, non? Ce qui est sûr, c'est que ce canard a mentionné le témoignage du fameux David Murat, l'infirmier que nous connaissons bien. David Murat a depuis accepté de rapporter une nouvelle fois ce qu'il affirme avoir vu dans un film documentaire en cours de montage qui s'intitule Vendredi 13. Pourtant, il faut se rendre, par exemple, à la page 39 de l'ouvrage de Hervé Deguine pour découvrir ainsi un témoignage stupéfiant et qui pose problème. Selon un dénommé Jason C., infirmier à l'hôpital Salpêtrière, qui fut présent dans le bar, Brahim Abdeslam, qui était en train de crever sous ses yeux, n'avait étrangement aucune blessure. Il ne portait aucun fil relié à un quelconque dispositif explosif. Comme vous pouvez le constater, ces propos contredisent radicalement le seul témoignage à visage découvert de David Murat, faisant état d'un kamikaze, le dos sanguinolent et enserré dans des fils suspects. Cet infirmier logisticien, dont l'une des spécialités, selon Hervé Deguine, et d'ailleurs la médecine de catastrophe, aurait lui-même contacté le média Reuters pour relater son expérience, de même, curieuse similitude, qu'un certain médium, l'auteur de la vidéo amateur, avait pris également contact avec l'agence britanno-canadienne. Mais comme on sait bien à présent que l'extrait du reportage est une supercherie sur toutes ses formes, ça pue véritablement l'embrouille. Une chose est certaine, les témoignages de David Murat et Jason C. Enfants de la patrie avait le peuple. La contre-enquête sur les attentats de Paris n'aura de cesse de continuer avec des éléments nouveaux, voire accablants. Nous allons revenir sur l'épisode Brahim Abdeslam et de sa supposée auto-kamikazisation, qui n'en était pas une, si on se réfère à l'épisode précédent. Et 21h40, les trois terroristes de la Seat Leon sont partis de Bobigny depuis maintenant une heure. La voiture dépose un de ses passagers devant le café, le comptoir Voltaire. Elle redémarre ensuite vers l'est de Paris. Dans le café, les clients remarquent à peine l'homme qui vient d'entrer. Le kamikaze baisse le regard et actionne sa ceinture d'explosifs. Il meurt dans l'explosion, des clients sont blessés, mais aucun n'est tué. Grâce à ses empreintes, les enquêteurs de la police scientifique découvrent son identité. Il s'appelle Brahim Abdeslam. Nous savons maintenant que Brahim Abdeslam ne s'est jamais fait exploser lui-même, mais plutôt à distance
par quelqu'un d'autre, car il ne savait pas qu'il allait se faire baiser en beauté. Comme une lettre à la poste, Brahim Abdeslam devient un kamikaze à titre posthume, et personne, ni de près, ni de loin, ne pourra contredire ça. Cependant, une info de dernière minute n'avait pas été insérée dans l'épisode précédent, donc, nous allons la remettre en évidence. Dimanche 1er mai, il fut exposé une manipulation sur les images de vidéosurveillance relative à l'attentat suicide commis au comptoir Voltaire le 13 novembre. En remontant les anciennes publications concernant les dernières prises de vue de Brahim Abdeslam, on trouve une publication antérieure de M6 le 8 janvier dernier.